Yo les amis, on se retrouve sur Ghost Recon Breakpoint, comme d'hab. On va aller chercher un peu de matos. Des camouflages, je crois. Explorer un peu les environs, n'est-ce pas? Simple et efficace. On va s'équiper un petit peu, on sait jamais, des fois qu'il y a des Amon ou des Behemoth sur le trajet. Flash lance-roquette, ça me semble optimal. On a 1,7 km à faire en hélico. On va pouvoir continuer de visiter les environs. Accueillant comme quoi. Tu dois attaquer depuis la falaise. J'irais même la montagne. On a vu plus furtif comme approche. Bon, ils ont rien vu, tranquille. Ok, déjà il y a du monde, vous voyez. Les petits projecteurs qui est là-bas, les petits projecteurs qui sont là-bas, pardon. Avant toute chose, j'ai cru voir un truc. Cette direction là. Oh. Tiens. Qu'est-ce donc? On va tenter un tir au snipe au travers de ce truc là. On va tenter de se faire le projo, ça vaut pas un ennemi mais... Ah la vieille portée. Voilà, on laisse tomber. Sachant que là je suis avec une 416 compacte, sa stabilité est augmentée et tout ça, mais sa portée par contre est fortement réduite. Idéal pour le close combat, l'infiltration, tout ça. Pas l'air d'y avoir tellement de monde, mais par contre beaucoup de surveillance. Projecteur, c'est relou. Tir entendu? Oh merde. Ouais, du coup les balles elles ont dû atterrir dans son... sa petite estrade là. C'est un intellectuel, donc on a un sniper déjà. En fait, il y a du monde hein, je retire ce que j'ai dit. Petites escouades qui se baladent de partout. Proximité du point d'entrée, c'est plutôt tranquille. Deux gars et une tourelle, chill. Ah. Trois gars et une tourelle. Alors toujours ce petit bug des lunettes, hein. On aime bien. Et non, il ne m'a pas vu. Manger ma petite ration au calme, hop. C'est des spécial cas. Fitness, tout ça. Ouais, placement de produits, ouais. Et je bosse pas pour Kellogg's en plus. Il est où le frère? Ah, ça fait un. The wolves are special, but not that special. Où ça sent le corps à corps, ça? Oh fuck. On va se passer de ranger le corps, hein, qui sont que deux.
La question étant, où est passé l'autre? Ok, descends les escaliers, je t'en prie. T'occupe pas de moi. J'entends une voix à gauche, par contre. Ils sont très très proches. Un peu beaucoup trop calme. Il y a personne qui fait la sieste. Ah si. Ouf. Toujours un mec pour faire la sieste. Un petit état des lieux s'impose. Un peu plus compliqué, 4 bonhommes. Ils ont 2 qui font des rondes. Et j'ai une option sur le collègue à proximité là. Où est-ce qu'il est passé? Mais t'en vas pas! Et il n'a rien vu! Oui, je parle du monsieur au-dessus là. C'est normal parce qu'il est. Bah non, il est face à nous en plus. Oh là là. Faut leur acheter des lunettes, hein. Optique 2000, mon petit pote. Sur double vitrage. Alors, faut être un peu plus stratégique là, parce que Jean-Pierre qui fait sa ronde derrière. Oh putain, con, le sniper. J'avais pas calculé lui. Finalement, ça a un petit peu de portée quand même. Un minimum, disons. J'en veux d'y part derrière. Attends. J'ai presque pas envie de gâcher une flash. Thermique doit faire l'affaire. Un générateur électrique serait le bienvenu. Parce que là, la lumière sur le cadavre, bon, je suis pas fan. Bah alors. Waouh! Lampe de qualité, les gars! Oula, on avait oublié le petit père là-bas qui faisait sa ronde. Et ils sont 2 en plus. 3 même. Ouais. J'allais vous dire, on a récupéré ce pourquoi on était venu, le petit camouflage. On peut terminer le travail quand même, ce serait bien, propre, professionnel. Il est là. Hop. Cas sympa ce vieux fort là. Lourdement armé mais sympa. Si jamais vous passez dans le coin en vacances, je vous invite à venir visiter, c'est super cool. Bon, Oroa n'est pas sur les cartes, mais avec un peu de motivation, tout se trouve. Quand même checker derrière s'il y a personne. Mais bon. Tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, les deux tourelles, c'est fait. Personne dans la tour à droite. Un petit bonhomme tout seul. Tout seul, vraiment. Ils l'ont abandonné comme ça au checkpoint. Les bâtards.
Ok, Dag Jean-Jacques. On a du loot à aller chercher. Oula, au couvert s'il te plaît. Merci. Hormis les trois pélos du fond de la classe là, il reste quoi? Ok, ils sont 4, autant pour moi. Mais pour de vrai, il reste quoi? C'est quoi ça? C'est une table! Ok. Bon bah chill. J'étais un peu optimiste là. Allez, grimpe-moi ça. Allez, grimpe. Grimpe, Maurice. Non. C'est mal barré. D'où l'avantage d'attaquer par l'arrière en fait. Ça évite ce genre de petits problèmes pour les accès entre les niveaux. Mais bon. Finalement, on va passer par la porte d'entrée. On arrivera direct sur les gars. On a même une chance d'avoir la hauteur. Ok, Michou est là. Et là, il se regroupe. Ah, ça c'est fait. Il semblerait qu'on ait tué tout le monde. La loot, Maurice. Ça va partir relou. Je cours après des petites caisses. Et après des petits points bleus sur ma mini-carte. Wouhou! Sympa le totem. Petite danse de la pluie là. Ça ferait pas de mal. Ça me semble un peu aride dans le coin. Que c'est loin. Putain, j'aurais dû aller chercher plus tôt. La caisse, elle est où? Ok, deck, un véhicule, on a l'hélico. Ouais. Ça fait loin l'hélico. Je crois qu'on a une deux places à l'entrée là qui avait l'air sympathique. Genre grosse cylindrée. Comment ça ressemble à ça? Ah non, c'est une vieille Jeep de merde. Tant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de sympa? Alors. Mission secondaire, c'est parti. Enquêter sur la peinture. Des taggers sévissent à Auroa. Hein, l'est de la province de Les Contrées, au sud de Cameron Forest. L'est de la province. C'est pas du tout où on est, c'est génial. Cameron Forest, au sud. Ça semble être le centre de recherche Scale Security. Rejoignez. Ah bah oui, c'était écrit. Rejoignez le centre de recherche Scale Security. C'est bien de lire les indices, c'est mieux de lire l'objectif. Alors. Bon, un bon flemmard. Je trouve qu'il y a beaucoup d'eau. Bah, c'était pas au bivouac, hein. Parce que voilà. Force spéciale un jour, mais non, pas toujours. Du coup, je crois que c'est le camouflage beige clair, en l'occurrence, qu'on a récupéré ici. Calme, bon, 700 mètres, on va y aller à pied. Profiter du paysage. Alors même si les textures à l'heure actuelle sont pas top top, hein, c'est un peu grossier, le jeu reste quand même beau. Hormis les visages et certaines cinématiques qui piquent les yeux, ça reste vraiment sympa. Surtout la richesse de l'environnement en fait. Des petits lacs, des arbustes un peu partout, du relief. Dépaysement assuré les amis. Dépaysement assuré. Petite patrouille que vous voyez là, à l'est. Quatre bonhommes. Et c'est quoi ça? Ah, c'est une barrière, d'accord. Ah. Ça c'est le petit bug classique quand tu descends. Des petits soucis d'élocution mon petit pote. Ce serait pas un petit peu bègue?
Et toi, t'as un petit souci de codage aussi. T'as la tête dans le camion. Non, détends-toi, vas-y, travaille. Ah ouais. Je te pète à juste ta moto, je fais que passer. Hop, rocher. Oh là là. C'est vraiment la vieille moto quoi. La prochaine fois, je prendrai un petit scooter, 50 cm, ce sera mieux. Un peu plus nerveux parce que là. Ouh. Eh, dis donc. C'est pas petit le coin là. Ah, en plus, on a un Azrael. C'est les Américains et nous espionnent. Bref. En attendant, on peut peut-être s'occuper du monsieur là-bas qui fait la sieste. Ouh, je crois qu'il a un lance-roquettes dans les mains, mais je suis pas sûr. Vraiment ce manque de portée sur cette petite M4 compacte. Mais aucun recul, du coup. Je favorise. Ça, c'est le bruit d'un hammon ou d'une connerie comme ça. Voire d'un murmure. Est-ce qu'on peut toper cette petite lampe là? Je ne crois pas. Non. Oh là! Contact! On s'est rapproché de l'objectif. On va faire un petit check-up. Objectif atteint, exact. Les dossiers du projet se trouvent dans le dernier étage du bâtiment principal, dans le grand bâtiment orné du logo Scale. Pour une fois, ils sont précis, hein. On fait le fou, on déploie le drone. Grand bâtiment orné d'un logo Scale. Waouh, trop difficile à trouver. Vu qu'on est tout seul, je favorise une infiltration. Ça risque d'être complexe à moins qu'on puisse passer par le rez-de-chaussée. Pas de porte. Si, cool. Les accès à la base, ça dit quoi? Une route principale, un projo. Ok. Et du coup, les petits drones? Je l'entends, mais je le vois pas. Ok, il est là. Ça, c'est relou, ça. Surtout qu'il y a pas mal de gars sur les toits. On va contourner, hein. Petite ration en vigueur là, hop. Et c'est Tipar. Ta petite ration Red Bull, hop, ça me donne des ailes pendant 10 minutes. Peut-être sécuriser l'héliport au calme. Alors. Mais c'est cadeau ça. Ah, bonjour monsieur. Oups, petite balle en trop là. Venez avec moi, monsieur. On discute. En tête à tête. Ah, y'a le drone qui arrive. Vous l'entendez? Hop. Technique pour lâcher un corps rapidement. Ou sprinter directement. Vous allez le lâcher automatiquement. A contrario, si vous essayez de le ramasser et que vous sprintez juste après, vous allez bugger et lâcher le corps. Enfin, ça va être foireux. Alors, le grand bâtiment orné du logo Scale. Après, j'ai la minimap, j'avoue. C'est assez simple. Et en plus, on a de l'orage, si c'est pas bénef ça. Je pense pas que enfin, les conditions météo impactent vraiment la discrétion. Mais bon. Avoir. Ce que j'attends, c'est ce putain de drone en fait, hein, je vous cache pas. Ok, c'est le moment. Jusque-là, ça se passe bien. Il y a un gars au-dessus de nous, on voit la lampe torche.
tu vas pas prendre les escaliers, Maurice. C'est pas ton genre. Non, c'est bon. Si? Que c'est mal fait. Ah bon. On repassera. Une chose qui aurait pu être utile, ce serait de désactiver le générateur. J'avoue, ça aurait été cool. Y'a des gars juste au-dessus de moi là. Si je ne m'abuse. Oula! Ah, j'ai peur de mon reflet. C'est moi qui ai ouvert la porte. Computer! Alors. Ok, bah d'accord, ok. Je pense que j'ai trouvé du coup là. Tu peux me mettre à jour, objectif? Non? Bon. Enquêter sur la peinture. Alors les taggers, c'est pas bien hein. Falloir nettoyer hein. Falloir payer une grosse amende. Mise à jour de l'objectif. Vérifiez vos intels sur l'archipel. Intel sur l'archipel. Polymorphe, machin, machin, machin. Intel sur la peinture. Ce dossier appartient à Kate Chopin. Ils contiennent des formules chimiques et des informations sur un procédé de peinture spécial censé améliorer les capacités des drones. Ah ouais! Ah, les petits taggers, ils ont évolué, mon petit pote. Ok, ok. Du coup, il faudra que j'aille trouver Kate. Se trouve dans le bâtiment Est. Dans le bâtiment marqué 1, à l'étage d'FB. Waouh! Trop de précision. Est-ce qu'il y a un accès au toit? Ça me tenterait bien, ça. Non, pas d'accès au toit. Alors c'est facile de rentrer, mais c'est plus compliqué de ressortir, je vous cache pas. Ah, peut-être un accès au toit. Oui, mais il y a ce putain de drone qui fait chier. Bon, on va rester là. Trouver le bâtiment cible. À l'est. L'est, c'est ici. Bâtiment 1, bâtiment 1. Ça ressemble pas à des bâtiments de recherche, ça. Et je sens que je vais galérer longtemps là. Bâtiment 2. Ouais. Bâtiment 2, du coup, ça, bâtiment 1. Logique. Bâtiment 1, DFB. Porte à droite. Par contre, il faut le formulaire rose, bien sûr. Parce que si t'as pas le formulaire rose, c'est mort. Bon, le mec sur le toit a un lance-roquette. Soit je tente de passer discretos. Ouais, ça se tente. Allez. Puis on le tuera plus tard. Ouh, les bruits de pas. Mauvais bail. Wow, il est juste au-dessus le bordel. Ça passe. Ça passe plus. Ouh. J'espère pour vous qu'il y a un escalier à l'intérieur du bâtiment, sinon je vais me fâcher tout rouge. Y'a pas d'escalier. Les bâtards. Appelez-moi l'architecte tout de suite. Oh le merdier. Bon. Hop là. On n'est pas les escaliers. Cool. Ça passe. Yes, ça passe. Y'a des portes partout. Y'a des portes partout. Alors, computer, fichier. C'est pas ça? Non, c'est pas ça.
tablette. C'est pas ça non plus. Oh fuck! Tais-toi, tais-toi. Oh merde. Tant pis. Bon, pour les infos, on verra plus tard. Restez discret. On va remettre le silencieux finalement. Flash prête. Est-ce qu'on peut éteindre les lampes? Oui, on peut éteindre les lampes. Trop de lampes. Beaucoup trop de lampes. C'est une lampe ça? Non mais faut que je me tape toutes les LED en plus. Tout de ma gueule. Fuck. Voilà. Suivant. All stations be advised. Hostiles detected. Prepare to repel borders and hold the QRF. Elle est pas passée loin de ta tête celle-ci, Jackie. Vas-y. Vous m'aurez jamais. Ça c'est un balcon, c'est pas une porte. J'ai hâte de stresser. Petite balle gratuite, fallait pas laisser ta main dépasser. Ça court, ça court. Voilà. Termine, ce sera plus efficace. Ils sont vifs pour se mettre à couvert, faut le dire. Oh le drone. Changing position. Oula. T'as pas eu le temps de révéler ma position. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je suis en train de ramasser des mines. Il m'a boycotté les bâtards. J'aimerais bien que ce petit drone se ramène, que je puisse sortir. Ouais, petit drone. Allez, je tente ma chance. Ah, j'ai bien fait de tenter ma chance. Wouhou. Michel, tu es descendu. J'y crois pas. Aïe! On se calme. Oh merde, c'est un civil. Ouf. Et ça, c'est un sniper. Ouf. Pique le sniper. Sérieux? On t'est enchaîné là comme ça dans les escaliers à l'infini? À couvert, s'il te plaît. Voilà. Hop. Hop. Les escaliers de gauche. Désolé le civil, mais faut vraiment pas rester là. Ok. J'avoue, lui, il m'a fait peur. Le sniper. Où qu'il est, le sniper ?
C'est une tête ça? Non, c'est pas une tête ça. Cette arme n'a définitivement pas de portée. Et ces gens sont définitivement suicidaires. Un toit, il me faudrait un toit. On va les faire tourner un peu en rond quand même. On va en retourner chercher l'objectif parce que ce gars avec son sniper. Eh, faites chier avec vos plantains. Ah, c'est pas un sniper. Mais non, pas ça. Hop, ça. Voilà, merci. Toujours gâcher des munitions. Et au cas où t'es pas compris. Voilà. Et bah, je lui dis quand même pas. J'ai encore envie, le gars là. Faut pas déconner. Bon. Les objectifs. Oui, je suis toujours détecté, mais bon, y a pas le temps. Il y avait pas d'escalier, on est obligé de passer par l'extérieur. Désolé, madame, mais vraiment, faut pas se mettre là, quoi. Les informations. Petit ordi bleu. Généralement, c'est un ordi bleu, hein, les Intel, tout ça. On est sur la peinture. Peinture de qualité. Ah, faut que je pirate. Ok, plus complexe. Trop de lumière. Pas moyen de péter ces putains de LED. Ah si, y'a peut-être moyen. On va tester un truc. Vérifier vos Intel. Ah, je vais checker les Intel. Toujours intéressant. Hop. Liste du personnel de scale. Centre de recherche, machin, machin, Cachopin, développeuse, résidence Toulex, province de Toulex, ok, ok. Libérer le scientifique. Dans la province de Lake Country, où nous sommes, au nord d'Ashmorewood, près de Fork Lake. Au nord d'Ashmorewood. Ashmorewood. Ok, le nord c'est ça. Près de Fork Lake. Ah, c'est ça, résidence Toulex. Ils l'ont quand même pas enfermé à signer la résidence. Ils sont gentils ces mecs de chez Sentinel là. Bon. Est-ce qu'un hélicoptère est à disposition? Parfait. Hop. Oula. On a trouvé les rescapés du massacre. Salut les gars, ça va? Oh bah t'étais tout seul! Quelle déception! Un peu complexe de descendre par là. Évitons de perdre une jambe dans l'opération. Ok. Et ici bas nous avons une belle zone d'assaut Amon. Avec deux exemplaires du genre. Quel niveau? 80 plus. Combien de lance-roquettes? On se casse. J'ai pas le temps pour ces conneries. Faut que je libère un scientifique. Hop, allez. Ouais, la zone d'accès avait plutôt l'air sympa. Par attaquer par l'un de ces quatre. Tenter un petit assaut aérien là, direct par l'héliport, yep. T'arrives ici et tu nettoies toute la hauteur. C'est sympa. Bref, résidence to Lake.
C'est vaste, Michel. C'est très vaste. Et c'est peuplé en plus. Oh, un petit bibi. Le bibi gratuit. On va s'installer paisiblement sur cette colline. En I, mon gars. Ça, c'est de l'atterrissage. Alors. Where is the scientist, mon frère? Allez, c'est parti. C'est de l'approche tactique, hein. Zéro reco, on fonce dans le tas. Classique, efficace. On n'a pas le temps. Alors, en fait, je crois qu'on est un peu loin de l'objectif. Ah, c'est plus une résidence, mon petit pote, ça s'appelle une ville. Je sais pas s'ils sont au courant, faudra leur dire. Oh, le petit chemin sympa et tout. Classe. Et tu sors de chez toi, tu vas faire tes courses. Petit rosier, tout ça. Alors, objectif atteint, ça je suis au courant. Localisation, ok, les civils et les soldats en savent plus. Ok, je suis un civil, aide-moi. Dans ma quête. Non. Bon bah Francis Lalanne il m'a mis un gros F. Reprenons. Soldats, ça parle toujours plus que les civils, hein. Quoique. Ah. Aurait-on trouvé des candidats qui se dirigent dans notre direction en plus? J'adhère ce genre de théorie. Ninja! Allez, discute maintenant, dis-moi tout! Tu veux pas parler? Bah tiens! Qu'est-ce qu'il y a d'eau? J'ai pas tué le bon, je parie. Ah non, mais j'ai trouvé l'objectif! Direct! Je suis rentré dans la bonne maison. Ok. Cool. Madame? Oh, me dis pas qu'ils ont déjà trouvé le cadavre. Un drone cops, voyez-vous ça. Y'a plus de drone cops, voilà. Ok. Un computer. Ok. Sympa ton bureau. Par contre, niveau hygiène... Pardon. Je vais pas critiquer. Hop. Je suppose qu'il faut hacker le computer. Je m'en fouiller les dossiers peut-être. Et voilà. Libérer le scientifique. Cool. Merci bien. Lozentel. Lozentel. Libérer le scientifique. Journal de la scientifique. Tome 1. Journal de Kate Chopin. Sentinelle nous a forcé à travailler sur leur drone, mais leur cruauté nous a fait développer un nouveau projet. En secret, dans un hangar, à bateau, de New Stirling, nous avons conçu un spray perturbant, les capteurs de drone, que nous avons discrètement introduit dans la dernière session d'essai. Mais c'est qu'elle est maligne, la connasse. Nous sommes en train d'appliquer un bateau que nous avons caché au nord de Kelso Fields, un peu au sud de Murmure Delta. Ah ah! Ce sera peut-être notre seule et unique tentative d'évasion. J'ai déjà commencé à manger mes ongles de pied. Je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps. J'arrive, Kate. Mais avant toute chose, je vais te voler de la lingerie.
un chien ouf. Hey, salut, on se casse. Ouf. Objectif d'abord, sud de Mirror Lake. Non, sud de Murmur Delta. On n'était pas du tout. Nord de Kelso Fields. Ils en ont pas marre de me faire bouger comme ça là? Profiance de New Stirling, bah, si je cherche pas au bon endroit déjà. New Stirling, oh putain, j'ai débloqué rien du tout ici moi. Kelso Fields. Nord. Sud Murmur Delta. Ça doit être ce truc là. Mhm. L'accès le plus proche serait celui-ci. Ça t'y part. Est-ce qu'on va réussir à libérer la journaliste qui a créé la peinture magique? Vous ne le saurez qu'en regardant la fin de cette vidéo. Tintin! On est loin quand même, hein. On va se prendre un petit buggy, une petite moto, tiens, une petite moto électrique. Eh oui, maintenant vous connaissez mon groupe sanguin. Pour les plus observateurs d'entre vous, bien sûr. Que d'informations privées que je divulgue, oulala. Trail X Zebra, la meilleure moto électrique du coin. Je vous conseille, vraiment. Premier rang des récompenses de combat. Bon business, très bon business. Silencieux, rapide. Alors, on va y aller de nuit, c'est toujours plus cool. Utiliser un peu ses lunettes de visée nocturne. C'est pas fait chier à traverser la moitié de la carte pour le débloquer, pour pas les utiliser. Alors, la route maintenant. Bah ben ça va être plutôt sommaire. Rejoindre la ligne jaune. Tel est mon programme. Des phares de qualité, bien sûr, sur la zébra, comme vous pouvez le voir. Une accélération du tonnerre, bref. Niveau stratégie, on repassera, on va traverser le camp parce qu'on a des thugs. Salut les gars, je fais que passer. En roue arrière mon gars, irrespect total. Allez salut. Bon, je vous dis qu'elle trace. C'est pas du mytho. Je vais me prendre un mur si je continue. Hop. Et un silence, un calme. Je vous laisse profiter du paysage. C'est bien fait ça, j'ai mis une lecture. Salut les mecs! Je suis trop rapide! Eh ouais. Oula. Pose visite, sur votre droite, vous pourrez observer une espèce de gros bitonio qui s'apprête à déployer des drones. Et là ça bug! Waouh! Le bitonio magique va libérer des drones. Attention. Wouhou ! Voilà. Contact, contact. Oula, tu te calmes. Tu te calmes. Si tu veux discuter, dis-le gentiment. On sait jamais des fois qu'ils soient encore dans le véhicule. Oh oh ! Oh non, il se barre. Bon, on va déjà s'occuper d'eux. Oh, je l'ai loupé. Oh, c'est une honte. Ah, je l'ai pas loupé, là. Ça a vraiment pas de portée, ce truc. Allez, au contact.
Ouais, on perd un peu de temps avant d'aller libérer le scientifique, je sais. Ça fait 2 semaines qu'elle est dans sa cave, elle a pu rester 2 heures de plus. Et toi, t'as eu l'idée de rester à l'intérieur. Ok. Chacun sa stratégie. Je critique pas. Oula, mais c'est qu'ils sont là. On va passer en thermique parce que... Ça, c'était le bruit de son crâne. Oh! Bonjour, monsieur Labiche. Enfin, monsieur Labiche. Monsieur Labiche. Oulala. Oulala, on va vite libérer le scientifique là. On a le cerveau qui déraille. Monsieur Labiche. J'aimerais pouvoir rentrer dans ce truc là, en tout cas. Au moins le pirater, tu vois. On va remettre les phares, parce qu'on voit que dalle. En vrai, les nuits sur Aurora sont assez lumineuses. Hein. La vision nocturne est surtout utile pour l'intérieur des bâtiments. En fait. Discretos Carlos va se taper la patrouillos. On va mettre le silencios. C'est parti. Flash ready. Eh merde, un hélico. Mais t'as rien vu, j'existe pas. Le nombre de touristes qu'il y a dans le coin, c'est fou. Et ils répondent au nombre de 1, 2, 3 et j'ai un quatrième derrière la Jeep. Attention. Ok. Ah, ah, l'arbre, le bec de l'arbre. Bon. Ils étaient plus nombreux que ça derrière la Jeep. Mais c'est pas grave. Ok, ils étaient chargés, les gars. Je risque d'avoir besoin de ton véhicule. Bouge pas. Par contre, je pense que je me suis trompé d'endroit. Hein, parce que là, clairement, il se passe rien. J'ai pas de mise à jour au niveau de l'objectif. Et en plus, c'est vraiment un terrain de merde. Vous voyez comme la difficulté du terrain peut rendre le jeu beaucoup plus complexe. Faire des glissades, des roulés boulés, des machins, se casser la gueule toutes les 2 minutes. Si en plus de ça, vous êtes... pris d'assaut, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Du moins de faire ce qu'on veut exactement. Eh hey, mais je me suis pas trompé d'endroit mon petit pote. Par contre ils sont sourds. Elle va tuer l'otage, attention. Oh là. J'ai juste tendance à rater les têtes quand même. Oui, il se pose pas de questions. Oh shit, oh shit. Mais non, t'as rien vu. Ça va les gars? Moi ça va, vous étiez pas dans une cave en mode glauque. Tranquille, posté sur le bord de l'eau. À regarder le coucher de soleil. Bon, j'arrive hein, bougez pas. Je visite un peu votre coin quand même. En tout cas, la tentative d'échapper là, c'était... foireux hein Micheline. T'as pas réussi ton coup. Y'a du boulot encore. Bon. Oui, je voudrais te libérer maintenant, ce serait cool. Nice. On va mettre les lunettes pour toi. Parce que on était. Non, j'ai pas besoin de le libérer lui ou. Ah si, quand même. You're really making me nervous. Leave me alone. Bah calme-toi, je viens de te libérer. Mais dis pas que je te rends nerveuse. Viens, on discute. Thank you for saving us. I don't know what we would have done without you. I'm Kate. This is Sawyer. Call me Nomad.
You switched the sprays at the lab, didn't you? On voit pas ma tête. With the original developers of the stealth spray. But we needed a real lab setting to test it properly, proper tools and such. And obviously it was worth the risk. The spray works. The stuff makes things invisible? To drones. Well, not exactly invisible, but close. That's extremely useful. But what are you after? There's an island nearby housing scientific research called Project Deus. We wanted to make our way to it safely. Covertly. Quietly. We were hoping to lend our expertise. We never thought anyone would go through the trouble of trying to trace our experiments with the paint back to us. And that was a lot of trouble to go through. And we would really appreciate it if... If I keep your shenanigans a secret, you want to share that tech? Why would you want... It's a deal. Belle épaule. Pleasure doing business with you. Ah, j'ai le flou avec ma vision nocturne, sans visée nocturne. Voilà, c'est mieux. Hop. Bon. Très fructueux. Tu m'as donné du spray. Merci. C'est quand même des gros connards, parce que grâce à vous, les mecs en face, ils ont des drones invisibles maintenant. Alors, en tout cas, j'attends de voir ça. C'est la joie et la bonne humeur. Et il y a des trucs, des lumières rouges sous l'eau comme ça, là. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. Mais je vois ça très souvent. Soit c'est un reflet de la lune, ce qui est du coup très 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 mal fait. Soit c'est des trucs chelous qui sont dans l'eau. Ouh. On va se battre contre des sous-marins bientôt, ce serait stylé. En tout cas, on va en rester là pour ce soir. Hop, je vous passe le bonjour et le bonsoir. Salut les amis, à bientôt.